Bon, ici, pour continuer un petit peu le travail, j'ai avancé. J'ai changé un peu mon outil. En passant, vous pouvez, avec le bouton de droite, avoir accès directement à ceci. D'abord, à la palette de pinceaux. Palette qui n'est pas exhaustive. Il y en a plein que vous pouvez retrouver là-dedans. Ici, fait que si vous voulez explorer, c'est extrêmement vaste. Donc, prenez garde de ne pas vous perdre. Et puis là, donc, vous êtes capable de modifier ceci. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à 12%. Donc, si vous le voyez, là, j'ai fait des petits changements. Donc, c'est extrêmement doux. Okay? Ce que ça peut me permettre de faire aussi, c'est de voir quand on parle de mode de fusion, quand on parle de faire la fusion, il y a aussi le mode d'intervention d'un calque par rapport à l'autre. Et ça, ici, vous pouvez expérimenter avec le menu que vous trouvez ici. Vous cliquez sur fondu, par exemple, vous voyez qu'est-ce que ça produit comme effet. Ensuite, vous pouvez aller sur votre clavier, puis vous avez, avec vos flèches, vous allez voir, je vais passer. Oups, il faudrait que je reclique là-dessus. Puis avec les flèches, vous descendez. Là, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça ici. En tout cas, sur PC, vous pouvez descendre comme ça avec les flèches, puis vous allez voir les différents effets que ces modes de fusion-là vont faire sur votre travail. Okay? La fusion est donc responsable vraiment comme ici, ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec un très très petit pinceau pour venir mélanger les deux, la texture du papier et la texture de la photo. Fait que c'est toutes des choses comme ça que vous pouvez rechercher. Puis là, je peux venir changer ici mon densité plus foncée. Vous allez voir, là, à ce moment-là, ça n'a presque aucun effet. Couleur plus claire. Bon, là, ça a un effet qui ressemblait à celui qu'on avait tout à l'heure. Fait que donc, ça, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Vous voyez, incrustation, mais là, ça vient changer. Donc, ça peut donner l'impression que la photo, on va se poser la question si toute la photo.